les abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce dimanche 29 septembre? Encore une journée et le mois de septembre est terminé. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est 11h39 les amis, je suis en voiture avec Eric bien évidemment, enfin bien évidemment, pas spécialement, hein. Des fois je suis toute seule, mais Eric est avec moi. Pas à côté, mais il est parti à la boucherie. On est venu à la boucherie pour acheter du poulet parce que Julie prend l'avion ce soir et elle arrive demain, donc elle a envie de manger du poulet. Donc on vient chercher du poulet et après je vais passer à Grand Frais. Ouais, non, ça va être juste. Oui, non, bah, je vais essayer d'y aller. Je sais pas si c'est midi ou midi 30, parce que là il est 11h40. Bon, et je vais quand même passer parce que vous savez pourquoi? Je suis désolée, je viens de manger un bonbon caramel et ça me gratouille la gorge. C'est un bonbon, comme ça là. Et du coup, ouais, elle a envie de manger poulet, pommes de terre rissolées maison. Et des rondelles de carottes. Donc je vais lui faire ça. Et du coup, ouais, je vais à la Grand Frais pour les carottes. Je suis perdue, je sais même plus ce que je dis. Vous savez pourquoi? Parce que je regarde les gens en fait. Et j'ai envie de manger des pommes. En fait, je regardais dans un film. Je regardais un film et en fait, ils étaient en train de manger une grosse pomme rouge là. Les grosses pommes rouges et ça m'a donné trop envie. Et comme par hasard, quand on a envie de manger quelque chose, on ne l'a pas. Donc je disais à Eric, j'ai trop envie de manger une pomme et tout. Bah il dit va en chercher. Bah je dis ouais, je sais. Donc voilà, je vais chercher des pommes et puis voilà. Et puis après on va chez Amélie et puis on va voir les chats parce que après on n'a plus le courage de sortir après. Donc on va aller voir les chats, on va aller faire tout ce qu'il faut. Et puis c'est tout, voilà, ouais, et puis c'est tout, et après on rentre à la maison, il est dimanche, du coup, courage de rien déjà, hein. Moi je suis pressée d'être demain pour la séance, c'est ce que je disais à Erika, je dis, on sent quand même qu'on est en week-end, et après qu'on a besoin de la séance, franchement, quand il est dimanche, ça, c'est dur. Bon, après, c'est le temps aussi. Hein. Il nous met raplapla, là. Il fait pas du soleil comme hier. Ici, c'est un peu blanc, gris. Bon, après, je dois laver les draps à Julie. Donc, ça, je vais le faire, par contre. J'ai du linge à plier. J'en ai pas beaucoup. Hein. C'est le linge de hier. J'en ai pas beaucoup. Et puis, le repassage. Bon, j'ai 3-4 bricoles. Si vraiment j'ai du courage, je le ferai. Sinon, rien. Bon, les petits pains au chocolat là d'hier qu'on a eu gratuits, bon bien sûr on les a mangés ce matin, ça vaut rien, ils étaient tout durs déjà, du coup on n'a rien mangé sur ça, on a mangé les beignets que j'ai fait maison et c'était bien plus meilleur. Donc les pains au chocolat, bon on a enlevé le chocolat et on a donné à Réglisse et les croissants pour les poupoules et puis Réglisse aussi, voilà. Bon c'était gentil de sa part hein, mais bon. Anti-gaspi, certes, c'est anti-gaspi, mais bon, faut pas manger de la merde non plus, quoi. Hein. Hein? Bon, après, sur tout ça, des pains au chocolat, des croissants. Mais bon, ça me semble bizarre que ça a durci aussi vite. Hein, parce que moi, quand j'achète des croissants en barquette, vous savez, là, pour faire les croissants au jambon, et ben, je les garde 3-4 jours, et franchement, je pourrais même les manger comme ça. J'ai pas compris. Mais bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, comment je suis habillée? Bah écoutez, j'ai mis des petites boucles d'oreilles comme ça. Couleur argentée. En fait, on dirait or argenté. C'est un petit peu les deux. Je me suis coiffée à l'arrache hein, parce que j'ai lavé mes cheveux hier soir. Donc là, ce matin, à l'arrache. Hein. J'ai mis un petit pull velours côtelé comme ça. À capuche. Avec un jean noir, mes chaussures noires et ma veste sans manches rose. Voilà, c'est très bien pour aujourd'hui. De toute façon, comme je dis, après on rentre à la maison
Et peut-être que je me mettrai en tenue de maison. Vous savez, là, la tenue d'intérieur, la couleur prune que j'ai achetée et qui est super. Et peut-être au canapé, télé, enfin, je sais pas, on verra bien. Alors là, les amis, devant moi, il y a un truc qui est très très bon. Je vais essayer de vous montrer. Voyez les amis là? L'hamburger, le tacos, regardez. Oh, ça me donne trop envie. Oh. Ça donne envie quand même, hein? Hein, ça donne envie. Un tacos, oh là là. Avec du cheddar, des frites, de la chie, du maïs. Oh là 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 là. Ah, peut-être que je ferai ça dans la semaine. Pour les pommes de terre, c'est bon. Des galettes, j'en ai. Par contre, j'ai pas de cheddar. J'ai pas de maïs non plus, mais non, frites, poulet ou hachis, ah, ça serait trop bien. On va voir ça cette semaine. Bon, et alors, Eric, là, il va se dépêcher. Il va demander des os pour les chiens en même temps. Voilà. Bon, il fait combien de degrés là? 12. Ah oui, je ne vous ai pas dit à quelle heure je me suis levée. 7 heures. J'étais dégoûtée. Pourtant, j'étais couchée assez tard hier. Hein. On est monté, il était plus de minuit, je crois. Bon, je sais même plus. Mais je sais qu'il était tard déjà. Et puis, du coup, ouais, 7 heures. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il faisait encore noir. Mais j'ai regardé l'heure, il était 7 heures. Et ben, je me suis levée. Du coup, ce que j'ai fait, je me suis mis dans le canapé, j'ai allumé le radiateur. Cahier quand même. Alors, il faisait pas froid, mais bon, moi j'ai toujours froid, donc j'ai allumé les radiateurs, j'ai répondu à des commentaires, pas mal de commentaires parce que j'étais quand même en retard hein, sur certaines vidéos, donc j'ai répondu à certains commentaires. Sandrine parle français quand même, hein. Donc à certains commentaires, je pense que j'ai encore des autres commentaires qui sont arrivés sur d'autres vidéos, mais ça je regarderai plus tard parce que c'est pas ça, hein. C'est pas que ça me dérange, hein. Mais à force de regarder le téléphone, de lire sur chaque vidéo, plein de commentaires, tac tac tac, ça me dérange pas, hein, j'adore ça, hein. Mais j'ai mal à mes yeux, et à un moment je vois plus rien, du coup je stoppe un petit peu, je recommence, du coup voilà, mais j'ai quand même bien rattrapé, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu un verre d'eau. J'ai rangé ma vaisselle parce que, en fait, hier, j'ai fait la vaisselle. Je l'ai laissée égoutter et je l'ai laissée. Donc, ce matin, j'ai tout rangé. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai ouvert un paquet de biscuits, de gaufrettes à la praline. Alors, ils sont trop bonnes. Donc, ça, j'ai goûté. J'en ai pris trois. Ils sont épaisses, mais elles sont trop bonnes. Donc, j'ai mangé ça. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis restée encore dans le canapé. Et après, Eric est descendu à 9h45. Ouais. J'ai même dit, bah, tu te lèves de bonne heure? Il me dit, bah ouais, il dit, j'avais envie d'aller aux toilettes. Pipi. Ah bah. Du coup, ben, il est descendu à 9h45. Voilà, on s'est mis un petit peu dans le canapé. Et puis après, on a bu le petit café. Pendant que je faisais le café, Eric a allumé la cheminée. Oh, ça faisait trop du bien, les amis. Oh là 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 là. Moi, j'adore. Hein. J'adore. Eric, à chaque fois, me dit, je vais allumer la cheminée, hein, comme ça, tu auras chaud. C'est un amour. Et par contre, j'étais assis juste derrière la cheminée. Mon dos était brûlant. Pourtant, Eric, il met pas fort. Hein. Enfin, il ferme tout. Hein. Mais le bois est tellement sec. Et c'est soit des palettes ou des gros bastas que des fois Eric récupère à droite à gauche. Hein. C'est franchement, c'est rare qu'on achète du bois. Même pas du tout. Franchement, ça fait des années. Franchement, ça, sans mentir, hein, ça fait plus de 15 ans, voire 20 ans, je dirais. Non, ouais. Parce que mon papa, en ce temps-là, était plus jeune et il était venu à la maison. Parce que mon papa, dans le temps, était bûcheron aussi. Et moi, j'avais commandé, enfin,
on avait commandé des stères de bois et j'en avais commandé pas mal de stères de bois. Et le gars me disait que c'était tel bois, tel bois, tel bois. Mais sachant ne pas s'y connaître, j'avais appelé mon papa pour qu'il vienne, pour qu'il, ouais, qu'il vienne à la maison pour voir si c'est du bon bois que le gars me vendait. Voilà. Parce que moi, je voulais pas de sapin. Hein. On voulait pas de sapin pour mettre dans la cheminée. Et ça va, le gars, il m'a pas roulé, quoi. Mon père, il m'a dit, il a parlé avec lui et tout, que j'en avais quand même pour 500 euros. Donc, ah ouais, ça date. Hein. Alors, vous savez, depuis ce temps-là, on n'a plus acheté de bois parce que Eric en récupère. On récupère à droite, à gauche. Et des fois, mon voisin me ramène du bois aussi. Donc, j'en achète pas. C'est cool, hein? Voilà. Et puis voilà. Du coup, après, mon dos était brûlant. Même ma chaise était chaude. Du coup, j'ai changé de place parce que j'en pouvais plus. Et après, on est parti se préparer. Et puis, voilà, en voiture, nous voilà en voiture pour aller faire deux petites courses. Voilà. Eric, j'espère qu'il va se dépêcher. Il est 11h50. Tant pis, hein, si je peux pas la grand frais. J'irai chez mon épicier. Bon, c'est pas les mêmes pommes, mais bon, tant pis. Tant pis. On fera avec. Hein. Voilà. Bon, ça va, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Bon, le linge, il va pas sécher dehors, hein, ça c'est sûr. Mais je vais quand même le mettre. Ou pas. Non, je pense pas que je vais le mettre dehors. Parce qu'en fait, comme le linge sent très bon, avec le Ariel et le parfum du linge là. Les draps, je vais les mettre. Je suis désolée, ça me gratte. Le caramel me gratte la gorge. Et j'ai pas pris ma bouteille d'eau. Ah si, elle est là. Elle est là, ma petite bouteille d'eau. Ah, je suis trop contente. Je vais boire, les amis. Et du coup, je mettrai les draps sur l'escalier. Ça va sentir trop bon. Ah, ça fait du bien. Ah, elle est bien fraîche en plus. Voilà. Ah, ça fait du bien. Bon, faut pas avoir trop trop froid parce que la gorge. Eric avait un petit peu mal à la gorge ce matin quand il s'est réveillé. Je rigole parce que le gars, là, il revient de la boulangerie. Il a pris une baguette et puis un pain au chocolat. Du coup, il est en train de manger son pain au chocolat hors de sa voiture. Il a raison, hein, c'est le petit déjeuner. Hein. Bon, il est midi, hein, mais bon. C'est dimanche, hein, tout est permis. Bah alors, c'est bien, non? J'espère qu'il prend pas plus de viande que prévu, quand même. Bon, après, c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout, hein, parce que on congèlera. Hein. À tous les coups, il va prendre autre chose. Parce que si c'est long comme ça, à moins qu'il y ait du monde. Voilà. Parce que là, je le vois pas arriver. Oh là là, 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 elle est tombée. Ah bah, il arrive. Regardez, vous allez le voir peut-être. Ah, il a pris beaucoup de choses. Hein. Je sais pas si vous allez le voir. Non. Vous allez le voir arriver ici. Avec sa veste jaune, il est repérable. Hein. Je vais ouvrir parce que le coffre, regardez. Hop, il est là. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, les amis, je vous reprends. Il est 18h. Je vous ai pris. Enfin, je vous reprends assez tard. Tout simplement parce que je me suis reposée cet après-midi. Voilà. J'ai rien fait de spécial. Je me suis mis dans mon canapé et j'ai regardé la télé, des films. Eric, lui, bossait dans le jardin. Enfin, il fait son carport. Vincent est arrivé après. Comme ça, il a aidé son papa. Et il y avait une mouche. Une petite. Hein. Et franchement, elle était mauvaise. Elle n'arrêtait pas de me manger. Et ça piquait. Franchement, rien que. Oh, j'en ai des frissons. Du coup, là, j'ai pris ma tapette à mouche. Et ben, je l'ai eue. Hein. Parce que là, franchement. En fait, elle est là depuis ce matin. Même Mathieu, il essayait de courir après elle et il n'arrivait pas à l'attraper, quoi. Elle va trop vite, la mouche. Et là, du coup, j'attendais qu'elle vienne près de moi et clac, clac, clac. Allez, hop, terminé. Ah oh, bah écoutez, j'étais obligée. Hein.
Parce que et ça pique quand même. Ça pique. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a été à la boucherie et j'ai été à Grand Frais. Je suis arrivée à temps. Ça fermait à 12h30. Donc, bah, je vous ai pas fait montrer ce qu'on a pris, mais je peux vous faire montrer mes fruits parce que je les ai pas encore rangés. En fait, j'ai pris des bananes, mais j'en ai pris que trois. Donc, j'en ai mangé une. Bon, j'ai pris ce qu'il faut. Hein. Bon, elle était toute petite. Hein. J'ai pris vraiment la toute petite. Et comme ça, j'ai pu la manger. Mais après, j'ai pris ma poudre pour le potassium. Mais j'allais vomir. Mais bon, il faut le prendre. On n'a pas le choix. Et là, j'en ai pris deux grosses en plus. Comme ça, c'est pour moi les séances. Donc, j'en ai une pour moi lundi et une mercredi. Oui, c'est précis. Voilà. Et comme je vous ai dit, j'avais trop envie de pommes. Alors, à Grand Frais, on n'a pas les pommes rouges, là. Vous savez, comme Blanche-Neige. Donc, j'ai trouvé des pommes. Comment que c'est, les pommes comme ça? Pommes. Oh! Pirouettes. Elles sont délicieuses, les amis. J'en ai pris trois. Donc, j'en ai mangé une quand je suis rentrée. Et franchement, elles sont délicieuses. Elles sont dures comme du béton, hein. Juteuses. Et franchement, je vous les conseille. Je vous les conseille, les pommes pirouettes chez Grand Frais. Elles sont à 3,50 € le kilo. C'est vrai que les pommes, elles ont bien augmenté aussi ces temps-ci. Alors qu'avant, les pommes, c'était le fruit le moins cher, quoi. Et comme l'orange. Maintenant, c'est tout 3 balles, 4 balles. Voilà. Je voulais des châtaignes, mais ils ne sont pas encore arrivés. Et j'ai oublié de reprendre des noix. Parce que les miennes, bah, pas encore. Hein, encore ça tombe, mais 3-4 seulement. Donc, s'il faut attendre 3-4 chaque semaine. Ouais, chaque semaine, parce que chaque jour, ça m'étonnerait. Mais je vais dire à Eric qu'il va voir. Parce qu'avec le vent qu'on a eu hier, peut-être que on a pu avoir. C'est quoi ça? J'ai un cheveu. C'est ça qui me gratte. Des fois, j'ai des cheveux. Ouais, j'ai un cheveu. Il est où? Ouais, il est là. Eh oui, c'est un petit cheveu. Donc voilà. Et 18h déjà, j'en reviens pas. J'ai rien fait de mon après-midi. Mais bon, là, je vais plier mon linge parce que je ne l'ai toujours pas plié. Et puis, je vais mettre les draps à Julie en route. Que je n'ai pas fait non plus. Donc, je vais m'y mettre quand même. Je sais pas, mais j'aime bien appuyer sur les sachets et que ça fait du bruit. J'adore ça. Bon, après, le sachet est abîmé. Hein. Hop! Je sais pas, j'aime bien. Et à chaque fois, je fais ça. Je suis pire qu'un gosse. Donc, voilà pour ça. Je vais donner des beignets à Vincent après parce que sinon, nous, ça fait trop. Hein. J'aurais pas dû faire toute la pâte. J'aurais dû la congeler, la pâte. Mais bon, tant pis. On a eu plein d'os pour les chiens, donc on est en train de les faire cuire là. Puis on a mis des pommes de terre dedans. Comme ça, ils vont se régaler pour eux ce soir. Et puis, on a été à la boulangerie aussi. Alors, voilà, c'est pour ça que j'aime pas regarder la télé quand je fais rien, parce que je mange, je mange, je mange, je mange. J'ai mangé une pomme, j'ai mangé ma toute petite banane et j'ai mangé la moitié d'une baguette. Bon, baguette, elle fait ça quand même. J'ai mangé la moitié avec du filet américain. Et Eric a mangé l'autre moitié de la baguette. Oh, là, j'ai pas faim, hein. Franchement, j'ai pas faim. Déjà, je dis à Eric, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Oh, il dit, je sais pas. Il reste du bouillon, c'est vrai, il reste encore un gros bol de bouillon. Et puis, au pire, je lui ferai des pâtes ou quelque chose, quoi. Mais là, franchement, j'ai pas faim du tout. Hein. Je n'ai pas arrêté de grignoter. Oh, et puis boire, ça aussi, hein. Oh, c'est pénible. Hein. Vivement demain, la séance, vivement demain. Bon, c'est vrai que je me sens pas lourde par rapport à d'autres dimanches. La journée n'est pas terminée, hein. Voilà. On n'est que 18h. Je vais coucher pas avant 23h. Il faut encore, peut-être que j'aurai faim tout à l'heure. Bon, je mangerai qu'un petit bout de pain. Hein. Et puis voilà, je vais garder un petit bout pour faire mon sandwich demain, pour moi la séance. Un petit sandwich au jambon.
Et puis voilà les amis. Ouais. Mais là ils avaient mis des nouveaux films, du coup je zappais comme ça. Bon, les deux que j'ai regardés là, ils étaient pas mal. Franchement, c'était pas mal. J'aime pas rester toute seule. Enfin, je dis j'aime pas rester toute seule à la maison. Ça dépend. Mais là, quand je sais que Eric est là, même s'il est dehors, hein, je m'ennuie. Ouais, je m'ennuie. Alors que j'ai du boulot, hein. Franchement, je pourrais faire des choses, hein. Je dois trier mon maquillage, mes bijoux. Je fais pas. J'ai trop la flemme. Moi, je préfère travailler la semaine, mais le dimanche, j'ai du mal. Le dimanche, c'est trop dur. En fait, j'ai décidé. Ouais, je pense que ça va être ma journée off. Alors le matin, je vais bosser, ce que j'ai à faire, ma routine, tout ça, le ménage, on n'a pas le choix. Mais l'après-midi, rien à faire. Mais absolument rien. J'espère que je vais tenir parole. Même ça, pour les vidéos, le dimanche, je voulais me faire une journée off. Mais je sais pas. Vous savez que j'aime prendre la caméra, discuter, hein. Vous savez que Sandrine est sa pipelette. Hop, il y en avait encore un petit peu. Oh, encore un petit peu aussi. Ouais, du coup, c'est moi qui ai appelé Vincent. Parce que Eric est en train de creuser. Hein. Il y a mal partout. Il y a mal à ses bras et tout. Du coup, j'ai dit à Vincent, écoute, viens aider papa. Parce que ben, il dit, maman, j'arrive. Il dit, pourquoi tu m'as pas appelé avant? Ah, je dis, ouais, je sais. Du coup, les amis, moi, je me suis changée. Hein, je me suis mis mon vieux t-shirt, là. C'est mon vieux t-shirt de ménage. Donc, bon, il est propre, hein, parce que je l'ai lavé. Hein. Donc, il est propre. Et je me suis mis en short de pyjama. Et puis, voilà. Franchement, à la cool. Bon, je vais enlever mes boucles d'oreilles. Et puis, voilà. Hein. Puis, après, on ira prendre sa douche. Et puis voilà, la journée sera terminée, hein, les amis. Ouais, terminée, terminée. Oh là là, j'ai trop la flemme, puis j'ai soif. Puis vous savez ce que j'ai envie de boire? Un bon Coca-Cola. J'ai trop envie de boire un Coca-Cola. J'ai du Schweppes, ça. Hein. J'ai du Schweppes, j'ai du jus de pomme, j'ai du jus de abricot. J'ai du thé, mais bon, le thé, j'aime pas tellement, moi. Mais à coco, j'ai trop envie d'un coco. Je crois que je vais demander à Vincent s'il peut aller m'en chercher un à la boulangerie. Ouais, je vais demander à Vincent s'il veut y aller. J'ai trop envie de boire un coco. Ah, écoutez, c'est le dimanche, hein, c'est le week-end, donc j'ai le droit encore. J'ai bu un Schweppes hier, mais c'est pas grave. J'en bois un aujourd'hui et après toute la semaine. Enfin, j'en bois un aujourd'hui. Je buvrai un coca aujourd'hui et toute la. Pardon. Et toute la semaine, je bois de l'eau après. Donc, ça va, hein. Ça va, hein. J'ai mangé un bonbon aussi. J'ai mangé un sachet Carensac. Vous savez, à la réglisse. Je craque le dimanche. Je craque. Bon, allez. Est-ce que ça vous arrive aussi, vous, d'avoir la flemme le dimanche? Franchement, là, je suis raplapla. J'ai envie de rien. Raplapla, Sandrine. Allez, raplapla. Regardez, les amis, j'ai cueilli un bouquet de hortensia dans mon jardin. Regardez comment c'est trop joli. Voilà, parce que comme j'avais plus de fleurs, du coup, j'ai cueilli un bouquet d'hortensias. Voilà. J'aime trop, il est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez?